Attention, Daniel pour Dundee 33 qui t'appelle. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, je suis en train de d'aller me mettre en place là dans une rue là qui est à côté là. Attends deux secondes. Attends, je me positionne parce que là j'étais un peu perdu là. Ok, tu m'as dit où? 155. Oui, unité 55, Lima, bravo. Attends, ce matin j'ai les yeux qui sont un peu fatigués. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Attends, j'attrape Lima Sierra Bravo. Ça, c'est enregistré. 155. Ok, c'est parti. Ok. Waouh, voilà, ça y est, je suis là. Ok, si ça te dérange pas, je fais une petite vidéo là. Attends, il faut que je trouve un endroit pour arriver à se clarifier parce que je crois que je suis tombé. Je te vois mal. Je passe pas mal sur le clarifier. Donc je vais essayer de te. Je vais en parler un peu longtemps. Enfin, assez longtemps, je vais dire un peu longtemps, qu'est-ce que raconte-moi. Assez longtemps là, que j'arrive à te clarifier. Ok, attends, deux secondes, voilà, je suis revenu sur la fréquence. Attends, deux secondes, attends, je relâche un peu. Ok, voilà, ça y est, j'ai vu là autre chose qui était mal enclenchée, c'est bon. Voilà, donc les 73-51, Daniel, voilà. Donc, oui, là, effectivement, là, je sors du pro, je suis là dans une rue là qui est pas loin. Je suis face au port de Bassins. Bon, voilà, réception là est nickel. Attends, on est en train de perturber là. Il y a les Charentais qui sont là en AM. On va passer sur le 27-195. Le 27-195. Ok, ouais, ben je m'y attendais en plus. Hein. C'est vrai que le canal 16, le canal 17, c'est les Charentais qui sont dessus. Le 15, c'est ceux de la Dordogne qui sont dessus. Après, plus haut, le 35, il y a des habitués qui sont aussi dessus. Le 29, il y a quelques habitués aussi. Il y en a un petit peu partout, quoi. Chine. Et là, avant que tu arrives en fréquence, j'étais en train d'écouter justement les péripéties là, de quelqu'un là sur le canal 17. Ah, ouais, oui, bah écoute, je pense qu'il devait, raconter les deux mésaventures des deux journées d'hier et avant-hier. Je suppose, enfin, je sais pas. Parce qu'il y a eu deux gros accidents là, en deux jours là, sur la National 10. Donc peut-être que c'était ça
Non, négatif, c'était problème de vol de carburant. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ah ben oui, effectivement. Ah ben là, voilà les fêtes de Noël. Ils vont avoir besoin de... bien sûr, les malfrats, je parle bien. Oui, oui, d'accord. Ben écoute, ça, malheureusement, c'est vrai qu'ils en subissent tous les jours. Tu m'étonnes. C'est sûr, justement, là, comme il disait, il a fallu qu'ils fassent venir... Enfin, c'est pas eux-mêmes qui ont eu ce problème, ça doit être, je sais pas, soit leur patron, ou je sais pas trop. J'ai pris en cours de route, donc j'en ai eu qu'un morceau, et quand j'ai vu l'heure, je suis vite remonté sur le 19 pour pouvoir t'appeler. Hachi. D'accord, ok. Non, c'est pas de mon côté, c'est vers Saint-André, là, vers le nord. Non, non, moi je suis plein est, là c'est plutôt vers le nord. Oui, c'est vrai que oui, toi t'es oui, à l'opposé, tout à fait. Attends, est-ce que c'est pas mon bus du Médoc, ça, qui arrive? Si, c'est lui. Ah non, merde, c'est pas lui, c'était pas installé un autre. Parce que comme je croise pas mal de bus, hein, les matins, tellement le celui qui vient chez nous, là, qui amène les Médoc, okay. Je croyais que c'était lui, mais non, c'est pas lui. Ah, je sais pas, c'est pas grave, il a eu un appel de fond. Voilà, voilà. Bon, voilà, alors, trêve de plaisanterie, parlons sérieux maintenant. Félicitations, en fait, Amélie, félicitations. Je ne pourrais pas m'empêcher de partager tous ces bienfaits que notre OM du Nord de France nous a fait partager. Voilà. Allez, retour à toi. Hachi, trois coups. Et là, tout à l'heure, j'ai vu un message justement là du côté du Québec. Aïe aïe. Comment avoir envie de se cacher la tête d'un trou de terrier, quoi. Oui, c'est Eric. Eric de là-haut qui, justement, j'avais posté sur le Québec. Et je l'avais partagé, hein. Donc il m'a répondu, c'était hier soir, mais bon, je l'ai partagé tout à l'heure. C'est pour ça c'était sa réponse à lui, à Eric qui est là-haut. Et donc c'est pour ça que j'ai fait copier-coller, que je t'ai mis dans ton ambiance. Ah, c'est pour ça que j'ai bien vu le message, j'ai eu une alerte du message là du groupe de pardon sur le groupe là, du Québec. Là bon ok, j'avais une alerte, une notification de ce côté-là. Et puis après j'envoie une autre justement là où c'est toi avec le même message. Mais si attends, c'est quoi ce bin ça? Hachi. Ok, je comprends mieux là. Oui, par contre, pour le mois de novembre, là, il y a Chantal qui m'a envoyé. Et comme on a changé les horaires sur Martignas, on est passé à 12 heures maintenant, hein, donc sauf les horaires à moi, du matin, je vais changer, donc 6:45, 14 heures, mais après on va passer à les autres horaires, on passe à 12 heures. Malheureusement, le jour où c'est pour faire le repas, je travaille et des moustaches. Et malheureusement, pour les changements, je ne sais pas. Donc, je vois, mais ça va pas évident. Ok, d'accord. Eh bien, toi, heureusement qu'on est sur ce canal parce que je suis moustaché de mon côté. Hein. Voilà, j'entends des coups de Roger Beep, tout ça. Il doit y avoir du monde, soit sur le 19 normal, enfin sur le 19, ouais, ou le 20, l'un ou l'autre. Ok, ouais, bon, bah, si tu peux pas venir, tu peux pas venir. Hein. Surtout que maintenant, ouais, c'est 2 jours, 2 nuits, hein, c'est ça. Hein, là où tu vas. Ah oui, mais moi, les nuits, j'en fais plus, hein, donc voilà. Oui, mais là, on repasse en 6 et 8 et
C'est des horaires un peu à la con. Voilà, comme je te disais, donc on est à Provence. Il y a le Gamboche à 18h, donc à l'occurrence au mois. Et le poème arrive à Moche à 7h jusqu'à 10h. Voilà, ça fait donc ça fait un chemin un petit peu à la con, mais pas bon, c'est comme ça. Et donc, en plus, là, je travaille justement, là, il faut que je voie. Ok, d'accord. Ouais, bon, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, hein, ça sera comme ça sera, et puis c'est tout. Hein. Ce qui est sûr, c'est que pour ma part, si j'y vais obligatoirement de toute façon en tant que représentant de l'ERCI. Ça, c'est clair, net et précis. Et après, bon, si tu peux, tant mieux, tu feras la fête avec nous. Si tu peux pas, et ben, bon, on te racontera ça. Hachi! Oui, affirmatif, oui, c'est sûr, oui. Pour ma part, la date de justement là pour le dernier week-end de novembre, là qui est à cheval là, sur décembre, je suis au courant depuis le salon de Marraine. Christophe m'a glissé l'info à l'oreille. Et donc il n'y a pas d'affiche ou quoi que ce soit de mise en ligne. Puisque bon, c'est un regroupement, on va dire, plus ou moins privé, quoi. D'accord, ok, oui, parce que j'aurais une écoute là, pour ça. Je vais m'arranger pour être là, enfin, poser ce week-end, voilà. Et quand j'ai envoyé l'invitation, les plannings étaient édités, bon, comme je te dis, après, c'est que des plannings provisoires. Il se peut aussi que bon, je puisse m'arranger pour être là. Voilà. Donc je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Voilà, René, bon, mais aussi c'est du tout bon. Alors ben, si on peut faire tout ça, ben, ça on passera encore une soirée formidable. Mais je serais de venir, ça de faire venir Monique aussi. Si elle le veut, je ne sais pas. Voilà, on verra. Ouais, à mon avis, tu vas avoir intérêt à la préparer un petit peu avant, lui parler un petit peu de ce que c'est que le monde associatif, ceci, cela, que c'est une famille, patin, couffin. Sinon, c'est pas gagné l'affaire. Ah, chi! Oui, c'est vrai que tu connais madame. Je l'ai présenté par photo, la Chantale et Jacques. Je lui ai montré les personnages. Et voilà, donc après, bon, c'est pas une kinétique ou pas. Enfin, bon, c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà. Bon, c'est vrai que pour l'instant, j'en suis pas. Donc, bon, je verrai ça. Ok, ben ce soir je fais 23-8. Vendredi soir 23-8. Samedi soir je crois que c'est que je sais plus jusqu'à 2h du matin.
Donc là, ben voilà, c'est le restant de la semaine avec le week-end, c'est bouclé. Ok, voilà, oui, parce que lundi, je fais 6-18. Hein. Voilà, comme je te disais, lundi, je fais 6-18. Et lundi matin, je reprends mes heures normales. Qu'est-ce que je fais 6-18? Je ne sais plus, c'est dans la semaine prochaine. Voilà, je sais que j'ai un jour où je fais 6-18. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, là, comme je t'ai dit, là, tu vois, les horaires sont changés. Là, j'ai intérêt d'avoir l'œil sur les plannings, parce qu'avec toutes ces modifications, c'est pas facile du tout. Voilà, donc, ok pour ça. Voilà, mais bon, mais ça y est, là, tu vois, je suis garé, là, je suis sur mon parking. Je vais te souhaiter bonne route, prudence, voilà, parce que nous, là, ça crachote un petit peu, là, sur Martignac, hein. Voilà, ça crachote un petit peu. Voilà Rémi, allez 73 encore, bonne route et puis merci encore pour ce petit contact radio là. Ok, avec une petite vidéo en même temps. Et dommage qu'on doit s'arrêter là, parce que tu vois, là, nos deux postes, là, sont montés en température. Et ce coup-ci, là, j'ai le clarifieur qui est revenu, là, au milieu. Voilà. C'est là, maintenant, de suite, présentement, à Chic, qu'on est bon. Ok, bonne journée à toi, amuse-toi bien. Madame. Ok, ça marche. Eh bien, elle est déjà sur la route, voilà, madame. À Chic. Ok, merci, bye. Attention la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Hop là! Je fais un Rémi, mais c'est pas trop tôt. Ça fait 6 mois, 2 ans et 2 jours que je t'appelle. Bisous à ton front. Oh putain, Kong! Moi aussi, c'est pareil. À chaque fois, là, tous les matins, quand je débouche. Là, ce matin, j'ai débauché à 6h. Là, je sors d'un QSO avec Daniel qui t'envoie les bonnes 73. Enfin, il me l'a dit le dernier coup. Hachi. Voilà, et là je suis sur les quais de Bassins, je redécolle juste. Voilà, et demain matin je débouche à 8h après-demain pareil. Donc là, ça c'est pas dit qu'on puisse s'attraper. Non, ouais, surtout que toi, t'as eu tout petit matériel qui passe pas, alors c'est sûr qu'on va être emmerdé. Demain matin, non, moi je sais que je vais embaucher beaucoup plus tôt que ça quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent, des fois. Non, mais ça fait plaisir de t'entendre. Tu prends un gros bisou sur le front à Daniel de ma part, bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce que lui, c'est pareil, ça fait pas que je l'ai pas entendu. Ok, il n'y a pas de problème, je retournerai ça. Et moi qui croyais, qui commençais à croire que tu me faisais la gueule, quoi. Ah, chier, non, je déconne. Non, j'ai aucune raison de te faire la gueule. Par contre, pour info, ça risque de changer un petit peu parce que j'ai missionné à la fin du mois. Donc, je ne garantis pas que j'ai la bidouille de suite. Ah, merde! Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas le bon plan. Je dis pas ça pour la CB quand même, mais je dis ça pour le pro, quoi. On est rassure-toi, hein. Hier à midi, j'ai pas démissionné, hier à midi, les gens m'appelaient pour proposer quelque chose. Là, ce petit milieu, ça va vite, non, quand on est connu, on trouve assez facilement. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, rien n'est fait, mais ça va vous reçu pendant ma tête, ça m'inquiète même pas, quoi. Non, bon, c'est pas grave, c'est chose de la vie. C'est moi qui ai pris la décision de m'en aller, donc je l'assume pleinement. Ok, d'accord. Bon, si c'est pour un mieux, après tout, tant mieux. Ah, hein. Oh, ouais, c'est pas si pour un mieux, parce qu'au niveau boulot, franchement, j'ai pas de plaire, quoi. J'ai un petit boulot royal. Mais bon, après, il y a des choses qui vont pas du tout, et donc, mais ça va pas. On met une veine, on tient une de pluie, on reprend une autre chose. C'est pas grave, c'est la vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis en plus, bon, t'es encore jeune, ceci, cela, ça va, tu peux encore retrouver du boulot facilement. Moi, ça commence à être à craindre un petit peu, ça commence à être limite, quoi. Ouais, c'est vrai que, ouais, forcément, t'approches. C'est Dundee 33, là, qui parle. Ça fait moins 75 ans, ça va bien.
Oui, affirmatif. Oui, les 73 à station Caddy Dandy 33, il n'y a pas de problème. C'est... Oui, c'est bien moi. Bon, ça me fait plaisir t'entendre, M. Rémi. Ben, ceci dit, en ce moment, c'est pas mal la causette avec Nico puis son collègue Mimo. Eh ben, je crois que c'est l'un ou l'autre là qui vient de prendre le micro. Bon, avec un peu de chance, on va peut-être Nico parce que Mimo, il a une matière qui marche pas trop mal, mais en fait, c'est un peu moins puissant que Nico. Ok, où est la station qui a dit Dandy 33 en avant? Ah bah il nous l'a fait gros timide, hachi, bon c'est pas grave. Tu m'étonnes, ben, les deux marquées de pas de gueule sont ici là, c'est sûr que pour en placer une c'est pas évident. Hachi, hein. Surtout que là, j'ai passé là bien 20 minutes, ouais environ avec Daniel. Alors au départ, on s'était mis sur le 16. Bon, bah, évidemment, le 16, il y a les Charentais dessus, comme le 17 d'ailleurs. On est vite passé sur le 19 Alpha, et je peux te dire qu'on n'a pas arrêté. Ah oh, ouais, ouais, mais c'est ça les femmes, mais ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Ah, chie trois coups, voilà, je suis au feu, là, en haut de la côte de la GT, là. Ouais, non, mais je sais, parce qu'il y a le bouchon, là, juste au-dessus, à ma tête. Je suis bloqué dans le bouchon. Ah putain, d'accord, t'es derrière moi alors. Bah oui, c'est pour ça, ça serait bien que t'avances un peu au feu parce que là, il y a tout le monde qui gueule derrière. Hein. Ouais, ça y est, je suis rendu là, j'arrive au rond-point de Ricard. Ok, ouais. Ouais, ben là, moi, je suis au rond-point, là, de CMS, c'est la sortie du port. Hein. D'accord, putain, j'aurais su plutôt que t'étais de ce côté-là, j'aurais attendu. Quoi. Ben, je pars juste des épaules, le temps que je salue une collègue qui a embauché, parce qu'il faut toujours entretenir les bonnes relations professionnelles, on ne sait jamais, et elle a droit, donc il n'y a pas de raison. Donc, le temps de la saluer, ben, elle s'est loupée de peu. Ben oui, affirmatif. Et là, tu fais quoi, là, aujourd'hui, là? Tu t'en vas où? Ben là, je m'en vais chercher mon plateau chargé à Socade, comme d'habitude, puis je vise sur Saint-Louvet. Là, je fais deux tours sur Saint-Louvet aujourd'hui. Ça va, tranquille, hein. Ok, d'accord, parce que dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus, t'es descendu là-bas bien plus loin, quoi. Eh bien, j'y étais lundi, j'y étais encore hier, oui, effectivement, mon gars, oui, il n'y a pas de problème, ouais. Là, il y a encore un retour lundi, mais je ne sais pas si c'est moi qui vais le faire, si c'est mon enfant. Mardi matin, c'est mardi matin ou mercredi matin, oh je sais plus, quoi, la semaine dernière, c'est pareil, j'ai eu Nico qui m'a dit que justement là t'étais au loin quoi. Tu devais être, qu'est-ce qu'il me fait lui? Attends, désolé, je vais faire qu'une seule chose à la fois. Moi. Voilà, ok, ça y est, c'est bon. Tu devais être rendu chez ton client là dans le sud pour 6 heures. Alors forcément, moi qui sortais en même temps à 6 heures, ça a fait limite. Ouais, 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 puis quand c'est à Mouguer, ouais, parce que quand je vais loin, c'est à Mouguer. C'est là que je vais prendre, après je reste à la locale. Ouais, effectivement, pour le choix, pour 6 heures et demie là-bas. Donc, si tu es à 6 heures à Bordeaux, ouais, pour essayer de communiquer, ça fait un peu chute. Tu m'étonnes, et puis putain du petit matériel, ça passe pas hein, depuis la bague. Ah ouais, mais c'est ça, les targas à la veste en 10 000 euros, c'est dit, je vais être emmerdé avec ça, ça va pas passer, hein. Mais je vais pas m'écouter alors. Ah tiens, à propos de ça, justement, là, j'ai une blagounette là, pour toi, mais véridique en plus, avec mon CRT 7009, là, j'ai eu un petit souci. Bon, c'est en PLU et en USB, je sais pas pourquoi, il n'y a plus que des aigus qui passent. Et apparemment, bon, il s'est décalé en fréquence, et apparemment, en émission, il y aurait un petit couac. Alors, bon, j'avais la solution de l'envoyer en réparation. YL a fait son petit calcul, et pour le coup, elle m'a proposé d'en acheter un autre, de prendre autre chose, tout neuf. Alors, tu penses que je suis pas dit non sur le coup, quoi. Et là, pour le coup, je me retrouve avec un Nikon 2, là, dans la voiture. C'est ça, c'est bon, ça, ouais. Ouais, 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 mais oui, oui, madame a eu forcément raison, parce que, tu vois, le coût de la réparation en kilomètre d'heure, ça coûte presque aussi cher que effectivement, le français neuf, alors. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai deux postes à la maison, il faut les faire réparer, c'est même pas la peine, hein. Ça coûte plus cher que le français neuf. Ouais, mais pourtant, le 7009, j'ai bien envie de le faire réparer quand même. Mais bon, ce sera pas pour cette année, quoi. D'autant plus que là j'ai eu d'autres frais, là, au mois de septembre, qui va falloir digérer ça, quoi. Ah, chi.
donc ouais, moi, non mais d'ici 2020, 2020, je devrais le faire réparer. Ouais, ben, bah, on peut, bah, de toute façon, je vais te dire un truc, avec ma grande gueule, j'ai pas besoin de micro préampli, quoi. Ouais, non, mais là, je suis avec le micro d'origine, hein, là. Alors, j'ai essayé un micro préampli dessus, il y a une connerie, une couillonnade. Dès que je passe en émission avec le micro préampli, je me retrouve sur le canal en dessous, quoi. Mais là, chez Président, là, ils ont fait une connerie. Sur le micro, j'ai des touches, là, Hubdo. Hein. Et ils ont fait passer ça par le fil, par le même fil que la pédale PTT. C'est du grand n'importe quoi. Là. Au lieu de faire comme sur le 7009, par exemple, de faire passer les touches Hubdo sur un autre fil qui aurait été plus simple. Mais non, 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 ils ont fait passer ça par là, quoi. Alors, ce qui fait que ça fout des interférences et tout, et dès que, enfin, quand tu branches un micro préampli, ben, tu te retrouves chez le voisin, quoi. Ouais, mais après, si c'est le voisin, ça peut être sympathique, mais bon, à ce moment, ça va finir par les énerver, ouais, je comprends bien tout ça. Non, mais de toute façon, à mon avis, ça va même pas besoin de briser le micro préampli. Comme il cartonne, ça suffit largement. Ouais, ouais, voilà. Attends. Alors, ouais, voilà, ok, ça y est, c'est bon. Ouais, ouais, bah apparemment oui, vu ce que tu me dis, quoi. Pourtant, le micro préampli que j'ai, c'en est un qui est pas mal, il a une jolie gueule en plus. Il ressemble à ces micros de studio chromés avec les ailettes là sur le côté. Voilà, et il a la même gueule. Voilà, et, bon, j'ai fait des essais et tout là sur le Lincoln 2 et tout ça, en BLU et tout ça, ça il passe super bien et tout, il marche super bien, ça passe même mieux, que ça cartonne même mieux qu'avec le micro d'origine, tu vas me dire jusque là c'est normal, et ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir continuer avec. Mais il va falloir que je gratte dedans là, que je vois là si je peux pas faire quelque chose ici. Ah merde, ça me fait chier, ah chier. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire, comme on dit. Ouais, mais là, ouais. Là, tu vois, je suis avec un boulot, par exemple, là, c'est compliqué, il n'y a pas de problème, j'ai l'impression que c'est dans la cabine. Hein. Ouais, mais pourtant, là, je suis sur la salle 89, hein, en direction de Libourne. Ouais, mais bon, j'ai un peu de puissance derrière aussi, là. Hein. Bah, comme toi, hein. On est à égalité. Hein. Tout à fait. Mais là, moi, je suis au carrefour de la. Ok, d'accord, ben, je t'entends bien. Hein. Bon, de toute façon, avec ce qu'il y a derrière, ça peut passer. Ouais, tout à fait, ouais, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait porté de passage dans les parlements. Il y a des gens qui ont mis son train, ça a complètement marqué. Ouais, ouais, donc, ben, ouais, c'est pas ouais. Et du coup, c'est pareil, donc, je ne sais pas pour eux, si comme quoi, ça pourrait pareil, les cartons pas mal. Ouais, d'habitude, ouais, attends, merde, tu es ici. Il faut que je m'agouille un truc, il faut que j'arrive à mettre mes lunettes pour voir à combien tu m'arrives. Bon, on va pas arriver bientôt, parce que j'ai du petit matériel, moi je ne l'ai même pas branché, alors. Bon, attends, j'ai perdu mes lunettes par terre, quoi. Ah, chier. Bon, ben je crois que je verrai ça en arrivant. Oui, ah ouais, bah je crois qu'elles sont rendues par terre parce que j'ai allumé la lumière et j'y vois pas. Ouais, mais est-ce que t'as pensé au moins des yeux pour regarder? Pourquoi? Ça sert à quelque chose d'ouvrir les yeux? Ah d'accord, je sais pas, moi je me méfie moi de ce qu'on me raconte. Hein. Ouais ouais, moi aussi, j'ai ouvert le deuxième, j'ai ouvert deux fois mieux après. D'accord, bon j'ai foutu les doigts partout dessus, je les ai retrouvés. Oh merde, le signal a baissé, quoi. Ah, oh, j'arrive dans la descente de la poste. Ouais, c'est bon, j'ai regardé, tu m'arrives à Santiago 6, hein, la descente. Tu l'as éteint? Ouais, sinon c'est vrai, quand on allume le poste, ça passe trop fort après. Ouais, ouais, alors après, si tu l'allumes,
Ok, voilà, je suis en train de remonter à la surface. Voilà, j'ai passé la poste. Là, j'arrive. J'arrive quasiment en haut de la côte. Ok, voilà. Là, ça va le faire. Ok, merci pour ce petit QSO. Les 2351, toi, bonne route. Profite bien de la journée et de la flotte avec. Mais sors pas le verre dehors. Tu pourrais t'imaginer qu'il y a du ricard dedans et qu'il faut rajouter de l'eau avec. Ah, ok, ciao. En 1351, les stations fréquences de la part de Dundee 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Et bonne journée à tous! Ah, j'ai cru entendre quelque chose dans le lointain, c'était très clair puis de mon côté. Bonne journée à la station!